Alors, bonjour. Donc, on commence notre deuxième et dernière journée sur les chantiers donc autour de l'Anthropocène. Et donc, je suis ravi d'accueillir Virginie Maris, qui, après des études en philosophie à Grenoble et à Montréal, a poursuivi ses études en philosophie de l'environnement avec une thèse sur la protection de la biodiversité entre sciences éthiques et politiques. À la frontière des sciences humaines et de l'écologie. Donc après un post-doctorat au Musée national d'histoire naturelle à Paris, elle a rejoint les CNRS. Elle est rattachée à au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive de Montpellier. Donc elle est un philosophe qui travaille dans un labo d'écologie. Elle a publié notamment Nature à vendre, les limites des services écosystémiques en 2014. Philosophie de la biodiversité, petite éthique pour une nature en péril, donc il est publié en 2010 et republié récemment en 2016. Et plus récemment, La part sauvage du monde, penser la nature dans l'Anthropocène. 2018, au seuil, dans cette collection consacrée justement à l'Anthropocène. Face aux appels à la gestion globale du monde, face à la capacité technoscientifique de régler les systèmes Terre, face à un projet politique qui vise une gouvernance mondiale guidée par des experts, Virginie Maris réhabilite au contraire l'idée d'une nature sauvage qui est caractérisée par son extériorité, son altérité et son autonomie. Une nature sauvage, j'ai envie de dire, qui devient une forme de résistance. Et c'est à partir de ces réflexions qui sont au cœur de son dernier ouvrage, La part sauvage du monde, insistera en particulier aujourd'hui sur les apports de l'écologie historique, donc pas de l'histoire de l'écologie, sur l'écologie historique dont nous avons insisté, pour repenser l'anthropocentrisme et la conception linéaire du temps. Merci. Bonjour, alors merci beaucoup Ricardo, d'abord pour cette invitation, cet accueil, cette hospitalité incroyable et cette présentation. Merci également aux autres pensionnaires, au personnel de la villa. Merci d'avance aux traductrices, dont j'espère que je ne rendrai pas la vie trop difficile. Donc, en effet, j'ai essayé de répondre à la commande qui était de réfléchir à cette idée d'un nouveau regard, d'une reconstruction du regard, et j'ai intitulé ma présentation « Regard diachronique, ce que l'écologie historique peut nous dire de la nature à venir ». Donc, pour commencer, je vais me familiariser avec le... D'abord, je voudrais dire quelques mots de l'anthropocène, parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on a beaucoup utilisée, qu'on a rapidement définie, mais il me semble que dans le contexte d'une rencontre comme la nôtre, il y a encore quelques petites précisions qui méritent d'être faites. Donc effectivement, ça a été dit, anthropocène, anthropo, l'humain, scène, c'est le kainos nouveau, mais qui sert en géologie à indiquer les époques géologiques. Et c'est un néologisme qui a été présenté à la communauté scientifique d'abord, pour la première fois en 2000, par le chimiste Paul Crutzen. Chimiste qui essayait à travers cette expression de signaler la globalité des activités humaines et leur influence à l'échelle planétaire de tous les systèmes, qu'il s'agisse de la géosphère, de la biosphère ou de l'atmosphère. Autrement dit, de proposer qu'on ajoute dans les âges de la Terre ce nouvel âge qui serait l'âge de l'homme. À qui propose-t-il finalement cette idée? Il le propose à la géologie, et plus précisément, Frédéric l'a évoqué hier, à la Commission mondiale de stratigraphie, qui a
pour mission, en tout cas pour la commission quaternaire par exemple, de statuer sur ces âges de la Terre. En général, ils prennent une centaine d'années pour se mettre d'accord, mais là, ils ont accéléré leurs travaux. Et en l'espace de 8 ans, un groupe de travail anthropocène a été mis en place. Cette proposition a été validée. Et donc, on peut se dire que finalement, l'anthropocène est un concept scientifique proposé donc par ce qu'on appellerait les scientifiques du système Terre, un groupe un petit peu hétéroclite qui est composé de climatologues, géoclimatologues, paléoclimatologues, mais aussi scientifiques des systèmes complexes et un petit peu d'écologie, à d'autres scientifiques, en l'occurrence des géologues, et qu'il s'agirait là d'une querelle, ou si ce n'est d'une querelle, en tout cas d'une discussion scientifique parmi tant d'autres. En réalité, au-delà de cette dimension scientifique, se joue quelque chose et se cache quelque chose de peut-être beaucoup plus fondamental. Et les débats des stratigraphes en témoignent, en particulier sur le fait qu'ils se sont rapidement mis d'accord sur l'acceptation de ce nouvel âge, mais que la controverse est davantage née de sa datation. Mais quand donc commence l'Anthropocène ? Et on se rend compte qu'en fait, à travers cette question sur la naissance de l'Anthropocène, se joue tout autre chose que des quantités de bulles d'air, que des taux de carbone dans des quantités de bulles d'air emprisonnées dans les carottes glaciaires ou de dépôts sédimentaires sur des couches des roches. Il se joue finalement le casting. Je vais filer la métaphore que Frédéric a offerte hier de la scène de théâtre. Se joue un petit peu le casting des acteurs de cette histoire que serait l'histoire de la Terre et du rôle principal que doit tenir l'anthropo dans ce dernier acte, en tout cas dans cette acte contemporain que serait celui de l'Anthropocène. Je m'explique. Première proposition, la plus ancienne, pas dans sa discussion scientifique, mais dans l'âge de la Terre, le néolithique, l'Anthropocène, coïnciderait finalement avec la naissance de l'agriculture, naissance qui se fait de façon diverse, dans divers foyers, entre plus ou moins 11 000 et 9 000 avant le présent. Et donc, l'Anthropocène est effectivement marqué. On a des changements radicaux d'usage des sols. On a notamment, avec la domestication, des prairies totalement nouvelles. Et on peut, en termes de carbone, déjà indiquer un marqueur. On cherche des pics. Ça a été mentionné. On veut mettre un pic en or sur une couche, un marqueur de ce nouvel âge. Et on a déjà des marques du néolithique. Alors ça a comme gros avantage de correspondre au nom qu'on lui donne, Anthropocène, l'espèce humaine, parce qu'effectivement la domestication apparaît dans des foyers très différents et est tellement structurante, y compris à travers la grande diversité culturelle qu'on observe aujourd'hui, est tellement structurante des sociétés humaines que si l'acteur principal, c'est celui qui domestique, c'est celui qui occupe, qui produit son monde d'une façon complètement nouvelle et complètement innovante par rapport à ses ancêtres chasseurs-cueilleurs, alors peut-être qu'il est bien question dans ce théâtre-là de voir jouer l'anthropos, l'espèce humaine. Le problème, et notamment c'est un problème un peu technique mais qui enlève un petit peu de la superbe au concept, c'est qu'en fait ça coïncide avec l'Holocène, ça coïncide avec la période précédente. Pourquoi ? Parce que ça coïncide avec la période interglaciaire, hein, on est à 11 000 avant le présent et il y a cette coïncidence évidente entre le recul de la glace et la découverte de l'agriculture. Du coup, on perd un petit peu, ça fait pchit en termes de nouveautés géologiques, parce qu'on l'avait déjà indiqué, on l'avait déjà noté, cette nouvelle période. On ne parle plus du néolithique, ce n'est plus dans les tuyaux, ce n'est plus dans les débats. Autre candidat, la colonisation de l'Amérique, 1492. Alors là encore, on se dirait,
finalement, c'est peut-être un détail au niveau de l'histoire de la Terre. En fait, ça l'est pas du tout. C'est pas du tout un détail. C'est pas un détail même dans la composition de l'atmosphère. Là encore, on a un pic, on a des marqueurs dans les carottes glaciaires avec un... Pour le coup, c'est assez intéressant parce que, en fait, on a plutôt une diminution du taux de carbone liée au massacre, liée au génocide que constitue la colonisation américaine et qui fait que là où on avait, j'en reparlerai tout à l'heure, des grandes plaines relativement habitées, occupées, on a un regain de forêt tant en Amérique du Sud qu'en Amérique centrale, on se retrouve avec tout d'un coup une absorption de carbone qui est marquée dans le temps. Alors là, qui est l'acteur finalement, c'est plus Anthropo, l'acteur d'une anthropocène qui commencerait en 1492, c'est l'Empire britannique ou c'est les grands empires coloniaux, est-ce que c'est une britannocène? Certains l'ont suggéré comme tel. En tout cas, c'est plus exactement la même personne qui occupe la place principale, c'est plus le même caractère que l'espèce humaine dans son ensemble. Troisième candidat, la machine à vapeur, 1784, ça a été évoqué, effectivement on rentre dans la période industrielle et là on a un régime de déstockage du carbone, on puise dans le sol des quantités de carbone qui ont été accumulées pendant des millions et des milliards d'années pour les relâcher en quelques décennies, quelques siècles dans l'atmosphère, à nouveau un changement vraiment significatif qui s'observe, plus tout ça, ça s'observe plus dans la glace que dans la roche, hein, ce qui serait une innovation en termes de stratigraphie, mais apparemment, ils ne sont pas effrayés par ça. Et là, du coup, ben, qui est-ce qui est en jeu? Qui est-ce qu'on vise? Qui est-ce qui joue le rôle principal? Le productivisme, peut-être. Certains proposent le capitalisme. Quand on voit finalement dans la même période ce que l'Empire soviétique a pu faire, on se dit qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue avec l'industrialisation que la seule naissance du capitalisme, un régime d'extractivisme et de productivisme qui, en tout cas, est un régime particulier qui ne concerne pas l'espèce humaine dans son ensemble, mais bien certaines populations et même à l'intérieur de certaines sociétés. Certains acteurs de ces sociétés plus que d'autres. Quatrième candidat, et alors là je vous donne la date exacte, 16 juillet 1945, premier essai nucléaire militaire, et à nouveau une inscription, une cicatrice à la surface de la Terre avec tout d'un coup cette augmentation sans précédent, parce qu'il y a évidemment de la radioactivité dans le monde naturel, avec un pic de présence de radioactivité qui ne cesse d'augmenter dans les périodes suivantes. Et là, bah, à nouveau, voilà, on cherche qui est le personnage principal dans ce cas-là, les sociétés militaro-industrielles peut-être, en tout cas ce régime de montée en puissance et de surarmement des sociétés qui va être le régime de cette paix belliqueuse de la guerre froide, dont en termes de paix belliqueuse, nous ne sommes peut-être toujours pas sortis. Pour les stratigraphes, il faut quand même mentionner que ce marqueur-là a le désavantage de ne pas être aussi pérenne que le carbone, l'air enfermé dans les carottes glaciaires, parce que la radioactivité décroît. Alors pour un stratigraphe, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit ad vitam aeternam, inscrit dans la couche terrestre. Et puis dernier candidat, et alors c'est... toujours le dernier arrivé qui a raison, c'est un peu celui qui retient l'attention, c'est ce qu'on appelle la grande accélération et qui coïncide plus ou moins dans le temps avec 45, c'est plutôt à partir des années 50, on a vu une série de graphes, là, ce tableau de bord de l'Anthropocène, et c'est vraiment quand tout décroche, tous les indicateurs de l'état biophysique, mais aussi, je reviendrai dessus tout à l'heure, de certains marqueurs, population mondiale, PIB mondial, décroche complètement. Et donc on a cette grande accélération qui là nous indique quoi? Peut-être la société de consommation de masse, la globalisation économique. En tout cas, une fois encore, d'autres personnages sont en scène que l'espèce humaine dans son ensemble. Donc tout ça pour dire que dans cette controverse ou cette discussion qui a pris des apparences extrêmement scientifiques et qui s'est vraiment concentrée
sur des questions techniques et scientifiques, se joue finalement ce grand récit que l'on décide de faire, en tout cas que l'on décide, ou qui se fait, qui émane de l'ère du temps, sur notre place dans le monde et qui est ce nous qui serait si significatif. Et du coup, quand on voit, surtout à la naissance, alors il y a Fressoz et Bonneuil qui ont un petit peu inauguré les études sur l'anthropocène en langue française, on va dire, mais pas seulement d'ailleurs, qui parlent des anthropocénologues. Alors il y a cette catégorie un petit peu émergente, multidisciplinaire, des gens qui travaillent en science du système Terre. Parmi cette communauté-là, on décèle en tout cas de façon très explicite, très assumée, derrière ces discours scientifiques sur l'anthropocène, un projet qu'on pourrait qualifier de projet politique ou projet idéologique, et qui est quelque part imposé par leur objet d'étude, et dont le contenu est finalement prenant la Terre comme un système, et comme un système en crise, alors la réponse appropriée, l'échelle de réponse appropriée, c'est l'échelle globale, et nous serions donc aux manettes du vaisseau système Terre qui devrait, si vous voulez, passer d'une sorte de trajectoire aveugle et autodestructrice à un long chemin lumineux dont les experts technocrates, scientifiques et gouvernants internationaux prendraient la responsabilité. Voilà pourquoi j'ai illustré cette introduction sur l'anthropocène, qui était un petit peu longue pour une introduction, je m'en excuse, par cette image emblématique. Finalement, c'est ce deuxième temps de l'image emblématique. Le premier, c'était la Terre vue du ciel, qu'on a vue déjà hier, de jour. Et cette fois, ça fait pas longtemps, hein, ça fait un an et demi que la NASA a mis ces images. J'ai mis là, 2017, deux ans. La Terre vue de nuit, qui nous dit encore autre chose sur cette Terre qui se dessine, car en fait, quels sont les continents, quelles sont les figures qui se dessinent sur cette Terre vue de nuit? Ben, c'est la figure de la modernité, de l'hyper-modernité à travers les grandes métropoles qui finalement surajoutent sur les continents une autre géographie. Le décor est planté. Ce décor de l'anthropocène, c'est un décor qui, paradoxalement, selon moi, est à la fois sous- et surpolitisé. Je m'explique. Sous-politisé parce que, se jouant à l'échelle globale et systémique, mettant en scène quelque chose comme l'espèce humaine, il se rend tout à fait aveugle aux relations de pouvoir, de domination, à la véritable politique qui se joue dans la distribution des responsabilités, des rapports de force, à la fois entre cultures, entre classes, entre genres, entre générations. Dans ce grand récit, il n'y a pas de gagnant et de perdant. Nous sommes tous dans le même vaisseau, espèce humaine, solidaire les uns des autres, ce qui n'est absolument pas le cas, vous en conviendrez. Et puis en même temps surpolitisé, car derrière le discours scientifique se dessine ce projet explicite d'une gouvernance globale, plutôt guidée par des experts. Donc de la même façon que... je dirais que... La chute du mur signait pour certains la fin de l'histoire. L'anthropocène signe pour d'autres, et ils sont nombreux, la fin de la nature. Nous serions enfin chez nous partout. La Terre, dans ses moindres recoins, serait aujourd'hui le produit hybride d'un mélange entre les activités humaines et le monde qui leur précède. Alors cette mort de la nature, ben, elle est documentée et du coup j'ai décidé de ne pas rajouter des chiffres aux chiffres, mais je vais quand même les mentionner. Elles ont été, Cyril en a mentionné quelques-unes, des espèces menacées dans des
proportions qui sont sans commune mesure dans l'histoire de l'humanité et peut-être même dans l'histoire de la vie sur Terre. On parle de 6e extinction massive, donc la 5e recensée dans l'histoire de la Terre, c'est quand même Crétacé-Tertiaire, hein, ça fait 65 millions d'années, ça date pas d'hier. Extinction des dinosaures. Donc aujourd'hui, 40% des amphibiens et des reptiles, un quart des mammifères, un tiers des espèces coralliennes, un cinquième des plantes sont jugés comme menacés d'extinction. On a là-dedans 6000 espèces qui sont en danger critique d'extinction, 6000 espèces qui ont une chance sur deux de s'éteindre avant la fin du siècle. Un risque sur deux, je préférerais dire. Donc on a un effondrement brutal et sans précédent de la diversité du monde, la diversité des formes de vie. Il y a aussi ce phénomène qu'on a qualifié de défaunation ou d'annihilation biotique, qui fait que ce n'est pas simplement la diversité des formes de vie qui se réduit, mais ce sont leurs quantités, ce sont les populations elles-mêmes. Et là encore, des statistiques, enfin des estimations qui sont absolument vertigineuses. 40% des 60% excusez-moi des vertébrés sauvages auraient disparu en 40 ans. 60%, 6 sur 10 des vertébrés sauvages terrestres. On a parlé des oiseaux communs, 30% en 25 ans, la biomasse d'insectes, 75% en 27 ans. Donc on est sur une sorte d'appauvrissement, hein, une peau de chagrin du monde naturel. Et puis on a aussi des estimations assez affligeantes concernant les milieux, dégradation des milieux. Alors en France, on artificialiserait un département tous les 11 ans. À l'échelle mondiale, le souci aujourd'hui se porte beaucoup sur les forêts tropicales, les forêts en général, avec 13 millions d'hectares de forêts qui disparaîtraient par an, ce qui est équivalent à la Grande-Bretagne. Chaque année, la Grande-Bretagne part en feu, essentiellement pour des conversions agricoles, huile de palme, soya et pâturage. Donc effondrement de l'étendue aussi, avec effectivement cette sorte de disparition, de fragmentation et de détérioration des milieux naturels. Donc dans la part sauvage du monde que Ricardo a mentionné tout à l'heure, mon projet, un petit peu, je ne sais pas s'il a abouti ou pas, en tout cas mon intention, c'est de refuser le diagnostic de la mort de la nature, de tenter de revisiter, revaloriser, réinvestir le concept de nature lui-même, le mot, ce qu'il porte, et de le redéfinir, en tout cas de proposer comme interprétation, comme définition, l'idée que la nature, c'est cette part du monde que nous n'avons pas créée, cette part sauvage du monde. La nature, c'est ce qui est finalement à l'extérieur de nous et indifférent à nous. Alors, dans cette présentation, qui est vraiment une poursuite, en tout cas, je tire un des fils que j'avais plus ou moins laissé en plan dans le bouquin, mon idée c'est de voir comment l'écologie historique que je vais présenter offre des ressources à la fois pour penser la protection de la nature, mais au-delà pour penser d'un point de vue peut-être sur un plan plus philosophique la place des humains dans le monde et notre rapport au temps. Alors il y a eu déjà beaucoup de fil tiré justement sur cette question de la temporalité, donc ce sera agréable de poursuivre un petit peu cette réflexion. Donc l'écologie historique, c'est pas vraiment une discipline, c'est plutôt un enjeu, un champ de recherche qui se structure explicitement de façon assez récente, même si on peut tirer une sorte de généalogie dans des travaux depuis facilement un siècle, un champ de recherche qui se donne pour objet l'étude des états et des dynamiques des écosystèmes du passé. Alors en fait, se retrouvent là en relation diverses disciplines, la paléontologie, l'archéologie, l'écologie, la géologie, mais aussi, et c'est intéressant et c'est un défi pour les écologues, l'histoire de l'art, la philologie, en effet, pour essayer de reconstituer
ces écosystèmes du passé, ben, l'observation ne suffit pas. Il faut multiplier les sources. Alors, ben, quand il y a des fossiles, ben, on a des fossiles, ça aide. Quand il y a des vestiges archéologiques aussi, ça donne des informations, en particulier parce qu'il y a une utilisation des animaux, par exemple, des os, etc., pour toutes sortes d'artefacts qui peuvent nous donner pas mal d'informations. On a les couches du sol. On a tout ça, je dirais que voilà, les écologues, c'est des données. On sait mettre en données cela. Mais il y a aussi des sources plus hétérodoxes, les récits naturalistes, les journaux de bord, les carnets de prise pour la pêche, la chasse, également les gravures, les mythes. On revient sur cette question des récits, comment même dans la mythologie, avec un regard écologique aiguisé, on peut essayer de comprendre certaines choses sur les milieux dans lesquels vivaient des sociétés dans des passés anciens. Et du coup, il y a une sorte de défi d'explosion épistémologique qui bouleverse ceux des écologues qui décident de s'intéresser au passé. Parce qu'effectivement, les discussions qu'on a eues hier, par exemple, sur le fait et le récit, l'objectivité tangible du fait absolument indiscutable versus la fiction du récit, tout ça se mêle dans une sorte de travail interprétatif où si on ne s'en tient qu'aux preuves tangibles, on n'a pour ainsi dire rien, et en même temps on ne peut pas non plus accepter toutes les... Il y a une sorte de discrimination qui doit être faite par exemple dans l'interprétation des récits naturalistes, et qui est assez en soi à mon avis un chantier assez intéressant et une sorte d'émanation interdisciplinaire assez stimulante, en tout cas pour ceux qui l'observent de l'intérieur. À quoi est-ce que ça sert ? Ben d'abord, ça sert, et ça, c'est finalement un petit peu, on va dire, l'écologie historique s'achète à bon compte une légitimité parmi les vrais écologues grâce à ça. Ça sert d'abord à délocaliser un petit peu la façon dont on pense la protection de la nature. La protection de la nature ou la conservation de la biodiversité, comme on la désigne plutôt aujourd'hui, c'est un champ à la fois pratique et scientifique, qui se constitue en tout cas dans sa dimension scientifique avec la naissance de la biologie de la conservation dans les années 80, et qui se donne pour objet, mais les conservationnistes assumeraient de dire qu'ils se donnent pour mission de connaître et comprendre la diversité du vivant, de connaître et comprendre les pressions, notamment les pressions des activités humaines sur cette diversité, de prévoir les changements, d'offrir des prescriptions et éventuellement de les mettre en œuvre pour ralentir l'érosion de la biodiversité. Mon intuition, je vous le dis tout de suite, c'est qu'en fait, éviter l'extinction, qui est un petit peu l'objectif ultime et déclaré de la conservation, c'est un petit peu comme les soins palliatifs. C'est qu'on veut maintenir un corps dans un état qui ne soit pas la mort. Éviter l'extinction pour les espèces, c'est faire en sorte qu'effectivement l'espèce ne soit pas de façon définitive et irréversible éradiquée de la surface de la Terre. On pourrait imaginez que quand on s'intéresse à la santé, on n'ait pas envie de faire toute sa carrière dans un centre de soins palliatifs. Et quand on s'intéresse à la biodiversité, on n'ait pas envie de faire toute sa vie et toute sa carrière dans un centre d'évitement de la mort imminente, mais de se fixer des objectifs peut-être un petit peu plus ambitieux, par exemple des objectifs de santé, d'épanouissement, de profusion. Alors, pour essayer bon, ça c'est un petit aparté sur mon sentiment personnel par rapport à l'ambition et au côté réjouissant qu'il pourrait y avoir à faire de la conservation autre chose que l'évitement d'une mort annoncée. La question de l'écologie historique est devenue assez importante quand il a été question, quand a été explicité par Daniel Pauly. Alors en plus, de façon un peu accidentelle, on l'a invité à faire une tribune dans un grand journal scientifique, puisque quelqu'un s'était désisté,
Il avait une nuit, je pense, pour écrire une page. Il a fait un papier qui a vraiment un peu changé la donne sur la façon dont on considère la conservation, dans lequel il décrit ce qu'il appelle le shifting baseline syndrome, le syndrome de la référence glissante, et où il dit tout simplement, je le cite, chaque génération de biologistes halieutes, alors police est un halieute, hein, c'est les gens qui, les biologistes qui travaillent sur les stocks de poissons, chaque biologiste halieute accepte comme référence la taille et la composition du stock de poissons au début de sa carrière et évalue les changements à l'aune de cette référence. Le résultat est un glissement de ligne de référence, a shifting baseline. Autrement dit, ah, c'était tellement bien quand j'étais jeune. Autrement dit, chacun pense que finalement, si l'état, par exemple, de son modèle, en l'occurrence les poissons, était celui qu'il avait connu en début de sa carrière, le travail serait fait. Et qu'est-ce qui se passe avec ce type de glissement, bah c'est que face à des dégradations progressives, temporellement peu perceptibles, non brutales, on se retrouve petit à petit à normaliser, à trouver comme acceptable, voire même comme désirable, des situations qui peuvent être des situations extrêmement dégradées. Alors en philosophie, il y a une notion qui fait écho à cela, qui a été présentée notamment par Martha Nussbaum, mais Amartya Sen en parle aussi, c'est les préférences adaptatives. Donc les préférences adaptatives, c'est une sorte d'ajustement dynamique des préférences aux conditions du réel. En réalité, on n'est pas nombreux à vraiment avoir envie d'être Wonder Woman. On a plutôt envie d'être un tout petit peu mieux, avoir un tout petit peu plus. C'est-à-dire qu'on calibre nos préférences à ce qui est disponible en les améliorant éventuellement. Et cette adaptation, bah, c'est une nécessité vitale. Parce que effectivement, si on ne vit que dans un monde où les préférences sont en totale déconnexion avec les options réelles, on se condamne à la frustration. Mais ça pose un problème, notamment ça pose un problème en termes de théorie politique, une théorie politique qu'on voudrait asseoir sur la satisfaction des préférences, à savoir que ces dégradations progressives peuvent être normalisées et devenir finalement des états extrêmement détériorés de la santé, de la convivialité, de la qualité de vie des gens, peuvent sembler être la norme et donc qu'on n'y ait même pas la possibilité de développer des préférences pour autre chose. Donc, évidemment, vous me voyez venir, le syndrome de la référence glissante en ce qui concerne notre rapport à la biodiversité, ben, ça prend cette forme évidente qui est que le sens commun nous dit très peu de ce que serait le bon état des écosystèmes, la santé des écosystèmes, ou la on va dire une sorte d'optimum des relations entre les humains et les non-humains, etc. Et du coup, l'écologie historique, bien plus que de présenter une sorte d'objectif, de référence, parce qu'on le dit tout le temps, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, parce que quelqu'un va me le dire, oui, mais la conservation c'est fixiste, parce qu'on dit conserver, donc c'est basé sur le passé, on veut figer la nature. On en reparlera, c'est absolument pas ça en fait, comme les conservants. Mais en tout cas, cette idée d'utiliser, d'appréhender l'écologie historique quand on pense aux objectifs de conservation, ça n'est pas nécessairement l'idée d'en faire des objectifs, de faire de ces états historiques des objectifs. Premièrement, parce que d'abord, les incertitudes sont énormes. J'ai parlé de cette hétérogénéité des sources, etc. Donc, on n'a aucune idée précise pour de nombreux cas de l'état des écosystèmes il y a ne serait-ce que 200 ou 300 ans. L'idée, selon moi, est plutôt d'en faire une sorte d'horizon des possibles. C'est-à-dire, la Terre peut porter ça. On parle beaucoup de capacité de charge, par exemple. La nature peut être ça. Et il me semble que, en cela, on le voit, par exemple, de façon évidente par rapport à la question de, j'espère que je vais avoir le temps de revenir là-dessus tout à l'heure, l'adaptation au changement climatique. Il y en a eu des changements climatiques dans l'histoire du vivant. Toutes les espèces avec qui on partage la planète ont traversé plusieurs épisodes de glaciation, interglaciation. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et
de se dire voilà, voilà ce que peut faire le monde naturel, et surtout en termes d'abondance, de richesse, de densité. Se dire qu'en fait on vit dans un monde, et on juge comme normal un monde extrêmement pauvre en vie, extrêmement pauvre en diversité. Il me semble que l'écologie historique, parmi probablement beaucoup d'autres éléments, offre un antidote à cette acceptation un peu passive et fataliste de la pauvreté du monde qui nous entoure. Mais évidemment, me prétendant... Alors oui, je suis désolée, je n'ai pas commenté les images. Ça, c'est assez intéressant. C'était à Cape Cod. Non, c'est plutôt en Floride. Vous savez, c'est ces tours touristiques de pêche où all inclusive, on part une journée en mer. Et il y a, pour documenter cette référence glissante, des scientifiques qui ont utilisé, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment sur des longues... du point de vue de la photo, c'est quand même des longues séquences temporelles entre 1950 et 2018. À chaque fois, les gens reviennent et se photographient devant le même endroit. Donc, ça fait une série très sympa parce que, d'un point de vue esthétique, on a aussi tous les codes, la façon dont ils s'habillent, etc. Mais pour le biologiste, ce qui nous effare, c'est pas la façon dont la petite fille est habillée sur la photo. C'est la taille des poissons qui fait une fois et demie son père. Et quand on regarde les photos de 2017, c'est la même espèce, on a des poissons qui font 30-40 cm quand ils sont gros. C'est pour ça que j'ai mis cette photo, je la trouvais jolie et à la fois triste. Donc du coup, ouais, du point de vue de la philo, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de plus sensible, enfin de plus profond à chercher. Qu'est-ce que nous offrirait d'autre qu'un vague guideline pour la gestion des cœurs de parc, l'écologie historique. Et ce que je veux vous présenter là, c'est deux pistes, alors assez programmatiques. D'abord, la façon dont effectivement cette écologie historique et sa façon de se développer nous offre une... en tout cas, on peut s'en saisir pour discuter et penser la place des humains dans le monde naturel. La place que l'on occupe et la place peut-être que l'on pourrait occuper. Donc qu'est-ce qu'on, quand on essaye de se dire bon ben à quoi ressemblerait le monde, c'est quoi le, bon, un des grands credos aujourd'hui de l'environnementalisme, c'est dire qu'il faut faire de la win-win conservation, donc il faut faire du gagnant-gagnant. En gros, il faut se réconcilier avec le vivant et il faut trouver des options de développement où tout le monde est content, le vivant est content, les humains sont contents, tout le monde est content. Et alors oui, c'est bien, mais le problème, c'est que du win-win, il faudrait savoir un petit peu dans quel état on se met en relation pour savoir si la relation est satisfaisante. Et du coup, une des façons de se poser la question, c'est une sorte d'exercice contrefactuel. Mais oui, mais comment serait la nature sans notre relation? Parce que pour qu'elle soit win-win, il faudrait peut-être quand même qu'on puisse comparer, qu'on puisse... Alors par rapport à ce contrefactuel, de dire, mais alors à quoi ça ressemble la nature quand c'est pas nous le moteur principal, quand on n'est pas aux commandes? On a différentes ressources scientifico-imaginaires. La première, c'est le temps des dinosaures. Alors moi, elle m'intéresse pas. Elle m'intéresse pas pour penser le type de relation qu'on pourrait avoir, parce que vraiment, c'est le temps des martiens, en fait. Pour nous, là, les dinosaures, on est essentiellement sur un seul continent. Il n'y a pas eu de radiation mammifère, donc en gros, il y a une poignée de mammifères, gros comme mon poing. Les plantes vascularisées sont complètement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le temps des dinosaures, c'est Mars, ça ne nous dit pas grand-chose. Et je cherche d'autres sources d'inspiration. L'autre grande source d'inspiration historique sur ce à quoi ressemble le monde sans les humains, c'est la wilderness. Alors la wilderness, les historiens de l'art probablement sont familiers de cette espèce de fantasme pionnier, fantasme américain, d'une nature absolument sauvage où l'horizon se fond dans un coucher de soleil permanent. L'Ouest, j'imagine.
Et ce qui est intéressant par rapport à ça, donc c'est une idée qui est issue du transcendantalisme, enfin qui a, disons qui a une saveur et qui est affiliée explicitement au transcendantalisme américain, donc avec un héritage romantique et puis aussi une critique véhémente de la société industrielle et consumériste qui se répand dans le continent américain. Et ce qui est intéressant quand on questionne l'écologie historique par rapport à ces paysages-là, par exemple, c'est que y a maintenant c'est des travaux qui ont été, ça a ouvert tout un champ. On a beaucoup plus d'informations, mais déjà en 1992, il y a Donovan qui écrit un article dans lequel en fait il montre que les paysages, notamment les forêts, que les colons que les pionniers prennent pour de la nature sauvage, c'est un champ de massacre en réalité. C'est qu'on a deux siècles avant eu une série de guerres coloniales et d'épidémies qui ont fait un génocide sans précédent avec 90% de la population autochtone qui disparaît brutalement. Et de fait, une sorte de friche à l'échelle continentale, une nature qui reprend mais qui est très clairement une nature différente et une nature de un rejet finalement sur les ruines d'une civilisation précolombienne. Alors évidemment cette wilderness là, la question n'est pas de savoir si elle est, si vous voulez, d'un point de vue écologique, elle a des choses intéressantes à nous dire, mais de fantasmer ce type de paysage comme l'idéal d'un monde sauvage absolument pur de toutes les souillures de l'humanité, c'est quelque chose d'assez ironique quand on pense que c'est un bain de sang sur lequel ont poussé ces arbres. On rejoint un petit peu les fascinations morbides dont il était question hier. Et l'écologie historique ici offre une ressource aussi, une parmi d'autres, hein, il ne s'agit pas d'en faire là, une ressource pour penser après le colonialisme, pour contribuer à une critique et une autocritique du colonialisme. Deuxième imaginaire, les forêts tropicales et particulièrement les forêts tropicales de ceux qui n'ont jamais vu les tropiques. Alors si je vais préparer ma conférence à la dernière minute, ce qui n'est pas du tout mon genre, j'aurais pu prendre une de ces incroyables tapisseries où on voit effectivement qu'en mettant quelques rayures sur le dos d'un cheval, ça en fait un zèbre, où on mélange des spatules et des flamants roses pour arriver à des espèces un peu chimériques, et où il y a comme ça tout un imaginaire de l'exotisme qui serait mobilisé pour penser le monde sans l'homme. Et là encore, ces forêts tropicales, à nouveau, je reviens avec mon écologie historique, la forêt amazonienne, peut-être l'idée la plus vive qu'on peut se faire du foisonnement de la nature quand elle n'est pas régie par les humains. La forêt amazonienne, c'est aussi un long travail de coévolution, de plantation même, avec des transplantations semi-sauvages, semi-domestiques, d'agriculture sur brûlis. Et donc, ce n'est pas du tout la trace de l'humanité qui serait absente, et il n'y a pas de virginité dans la forêt vierge, si pour être vierge, il faut ne jamais avoir connu un homme. Waouh ! Je l'ai inventé à l'instant. Tout ça pour dire que il me semble qu'avec l'écologie historique, on vient un petit peu. C'est pas nécessairement que ça, si vous voulez, que ça nous permet de. Je trouve que c'est un outil. C'est pas quelque chose de définitif, de critique, mais je trouve que c'est un outil parmi d'autres pour cet exercice de décentrement. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'éthique, moi, en ce qui me concerne, de l'éthique environnementale, on a beaucoup travaillé sur la critique de l'anthropocentrisme dans sa dimension morale. Comment faire et comment critiquer cette idée un peu délirante que nous serions les seuls êtres sur la Terre qui auraient une valeur en soi ou une finalité propre, et puis que le monde tout entier pourrait nous être totalement asservi. Donc, du point de vue de la morale, tout le monde n'est pas encore convaincu, mais le travail est fait.
Par contre, du point de vue plus épistémique, comment réussir à penser un monde et que nous dit cette façon dont on pense le monde quand on ne se met pas au centre de lui ? Ça, j'ai l'impression qu'on est mal outillé parce que simplement, ben, on regarde le monde à partir de nous-mêmes, à partir de nos yeux, à partir de notre histoire, de notre civilisation. Et si on veut faire cet exercice d'auto-extraction de notre point de vue pour essayer de penser le monde moins centré sur les humains, je pense que ces travaux-là sont des sources, notamment des sortes de tests, l'étude de nos fantasmes du monde sauvage. Et donc, dernier point, celui de la temporalité. La crise environnementale globale contemporaine voit finalement se confronter deux conceptions du temps qui, ça va être mon propos, s'opposent en miroir. En fait, on a l'idée classique du progrès, un progrès dans un temps linéaire, ascendant, où le passage du temps serait finalement la garantie d'un progrès tant moral, scientifique, technique. Donc c'est l'idée classique du progrès chez les modernes, hein, et qui est très bien symbolisée par ce tableau où on passe comme ça de la lumière à l'obscurité, enfin la lumière se propage à nouveau chez les Américains. Alors une citation, il y en a des tonnes, j'en donne une quand même pour de Bacon dans La Nouvelle Atlantide. Donc La Nouvelle Atlantide, vous savez, c'est cette fiction où sur une île, l'île de Ben Salem, s'est érigée la maison de Salomon, maison des sages et des scientifiques, qui disent dans, je cite Bacon, « Le but de notre établissement est la découverte des causes et la connaissance de la nature intime des forces primordiales et des principes des choses, en vue d'étendre les limites de l'empire de l'homme sur la nature entière et d'exécuter tout ce qui est possible. » Là, on a tout, l'extension, et j'ai pris cette citation parce qu'il y a cette notion d'empire, l'extension maximale de l'empire de l'homme, et la possibilité de tout faire. Savoir et savoir-faire sont les deux mêmes, sont deux facettes de ce progrès chez les modernes. Et d'où, dans cet idéal-là, une forme d'anthropo-impérialisme, la mission, le destin de l'humanité, c'est l'anthropocène, c'est la fin de la nature. C'est vraiment un projet explicite et radical de fin de la nature, de domestication et d'appropriation absolue. La temporalité contraire, c'est celle de l'effondrement, du déclin, qui, dans cette linéarité inverse, finalement, passe d'un passé plus ou moins idéalisé, un passé d'harmonie, un passé de bien-être, vers un avenir sombre, voire apocalyptique, dans lequel serait mise en péril tout à la fois la civilisation, l'humanité et la vie elle-même. Dans cette version descendante, il y a quelque chose de il y a aussi cette idée que la flèche du temps est lancée et que c'est à partir de la situation présente, que c'est vraiment la situation présente qui doit guider nos décisions. Autrement dit, il y a des formes de téléologie dans les deux récits qui emprisonnent les futurs dans le présent. Le présent encode totalement les futurs possibles. Ma proposition, c'est que, sans essayer de conjurer ou de disqualifier ces conceptions-là, on peut faire un pas de côté en essayant de refonder le regard, justement, pour une version du futur qui soit plus sympathique à la possibilité des ruptures, à la possibilité des indéterminations radicales. Autrement dit, de changer un petit peu ce constat de « les jeux sont faits » par « et maintenant, à quoi on joue ?» Et là, alors je vais le passer vite, parce que sinon je n'aurai pas le temps de finir, mais il semble très clair, quand on se questionne sur cette question de la crise environnementale dont on donne le nom d'anthropocène, qu'il y a un truc qui se joue avec la temporalité, et le truc qui semble se jouer et qui donne le vertige,
c'est l'accélération incroyable des changements et des phénomènes. Alors, face à cette accélération, on pourrait être tenté de croire que finalement, le problème est essentiellement un problème de tempo. On aurait le temps très long de la géologie, le temps moyennement long de l'évolution, le temps plutôt rapide de l'écologie, puis le temps accélérationniste, quasiment présentiste des humains. Et l'enjeu serait de réconcilier, d'harmoniser ces tempos différents. Alors finalement, la situation actuelle nous contredit ce diagnostic parce que c'est pas, ça ne suffira pas de changer la cadence. Et on se demanderait bien d'ailleurs de quoi faudrait-il changer la cadence. Par exemple, la composition de l'atmosphère, la fonte des glaciers, donc des phénomènes éminemment géologiques, change à une vitesse absolument effroyable. La montée de l'antibiorésistance, un phénomène dramatique pour la santé publique à venir, il y a plusieurs catastrophes qui nous guettent, l'antibiorésistance en est une, c'est un phénomène évolutif, ça se qualifie vraiment comme de l'évolution, à une vitesse qu'on ne pouvait absolument pas supposer, imaginer. La défaunation, les invasions biologiques, temporalité écologique, de l'ordre de l'année, de la décennie. Donc finalement, ces trois grands temps, ce n'est pas des temps qui sont essentiellement des temps plus longs que l'action humaine, parce que par rapport à tout ça, ce qui semble bien tout à fait inerte, et ce qui semble la bête qui ne bouge pas, il semble bien que ce soit nous-mêmes. La difficulté, l'impossibilité, la paralysie des sociétés pour se mettre en branle, se mouvoir face à ces changements géologiques, évolutifs, écologiques, semble contredire le diagnostic d'un simple problème de tempo. Et du coup, plutôt que de penser ça en termes de tempo, je me dis peut-être que le problème, c'est l'aiguillage. Un problème d'aiguillage dans le sens où finalement c'est une linéarité contraire. Alors on a vu beaucoup de lignes ascendantes, mais ça dépend de ce qu'on chiffre. On pourrait penser donc la croissance du PIB versus le déclin des populations animales, la croissance de la population mondiale versus le déclin des forêts tropicales. Toutes ces projections linéaires, enfin toutes ces tendances soi-disant linéaire, se projette très mal. C'est-à-dire qu'on a des articles scientifiques qui nous disent dans 100 ans, il n'y aura plus d'insectes. Je pense qu'en 2100, le plus gros mammifère terrestre serait la vache. La forêt tropicale, au rythme actuel de destruction, aura définitivement disparu de la planète Terre dans 50 à 70 ans. Mais évidemment que non. Évidemment que dans 100 ans, il n'y aura pas plus d'insectes. Dans 100 ans, il y aura peut-être 12 espèces d'insectes hyper antibiorésistantes, virulentes, porteuses de tous les parasites possibles et imaginables qui envahiront le ciel et nos maisons. Dans 100 ans, il n'y aura pas plus de forêts tropicales. Il y aura bien avant ça un tipping point, un point de bascule où finalement toutes les forêts vont se transformer en savanes parce qu'on aura atteint un certain niveau un certain régime de sécheresse dans les régions tropicales. Donc ces linéarités là nous parlent mal et du coup je pense qu'il faut essayer d'injecter de l'hétérochronie, qu'il faut essayer de refuser cette idée que le présent doit absolument encoder et contraindre tous les futurs possibles. Et c'est l'autre apprentissage, l'autre enseignement que peut nous faire l'écologie historique et l'étude fine et longue de l'histoire du vivant, c'est qu'en réalité, rien n'est linéaire. En réalité, les surprises sont communes. L'aléa est quasiment une règle. Et alors, par exemple, je ne sais pas si on pense à une mutation, une mutation hasardeuse dans un organisme. C'est rien, c'est pas un événement, c'est juste une mutation hasardeuse. Il y en a tout le temps, chaque jour. Et puis, d'un coup, en fait, cette mutation-là, elle produit un avantage, elle se réplique, elle se perpétue, et puis elle fait une espèce. Mais c'est 1000 ans plus tard que la mutation devient un événement. 1000 ans, c'est vraiment des espèces à reproduction longue. 500 ans plus tard que la mutation devient un événement. C'est le futur qui nous dit de quoi le présent est le présent. Dans les effondrements en cours, je pense qu'il nous faut de l'imagination, il nous faut de la créativité.
Et pour faire face à ces changements, on peut s'inspirer du vivant justement en refusant une sorte de dictature, de tyrannie du présent, et en refusant que toutes nos possibles soient dictées par le seul évitement d'un futur catastrophique, par exemple. Il ne s'agit pas de, surtout pas d'entretenir l'idée d'un déni de la catastrophe possible, et c'est plutôt une, c'est pour ça que je parle d'hétérochronie, et je ne veux pas remplacer la flèche du temps par mon temps buissonnant, par exemple. Je pense qu'il faut simplement multiplier nos rapports au temps. Alors, pour ça, je pense qu'il y a deux vertus, et à mon avis, c'est intéressant d'en parler dans une assemblée qui s'intéresse à l'art et à la culture, qu'il faut absolument cultiver, mais surtout mettre en dialogue. C'est la créativité, l'innovation, la capacité de nouveauté absolument, d'innovation totale, on va dire, et en même temps une forme de contact avec la matérialité du monde, on pourrait dire avec le réel, d'aucuns diraient même avec le réalisme, c'est-à-dire qu'il faut essayer de balancer comme ça entre à la fois une conscience vive de l'état du monde et une imagination foisonnante des futurs possibles. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a je veux donner deux exemples du mismatch un petit peu quand ces deux vertus-là ne s'équilibrent pas face à la situation actuelle. On peut voir finalement deux possibilités de réponse, celle des transhumanistes ou plus généralement des technophiles qui imaginent que dans la capacité du génie humain à trouver des solutions nouvelles, dans l'inventivité, la créativité, tous les problèmes auxquels on croit être confrontés aujourd'hui seront surmontés, et ce faisant, qui décrochent complètement du réel. Ils décrochent complètement de la finitude des ressources, de l'entropie dans laquelle le système actuel est lancé. Ils décrochent aussi de la réalité sociale et politique des sociétés dans lesquelles nous vivons. Beaucoup d'inventivité, aucun réalisme. Autre horizon possible, le survivalisme. Ils sont hyper conscients, hyper renseignés. Vraiment, je vous invite tous à passer un week-end chez les survivalistes. C'est des personnes, c'est des sources de connaissances, de compréhension. Quand ils ne nous font pas payer les stages, ils connaissent tout de la matérialité du monde. Ils peuvent survivre dans le monde sans nous. Mais alors, c'est le niveau zéro de la créativité, c'est le niveau zéro de l'espoir. C'est-à-dire qu'on imagine que absolument rien, cette société, ce monde dans lequel on vit, ne peut absolument pas produire autre chose que le repli de chacun pour soi ou de toute petite cellule dans un mode de survie. Et le survivalisme, dans le survivalisme, il est question de survie. Alors voilà un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu les deux figures, pas nécessairement des repoussoirs, parce que je pense qu'ils font partie aussi du paysage et il faut entrer en dialogue, etc. Mais j'ai l'impression que le chemin, il doit un peu se frayer entre ces deux excès d'inventivité ou excès de réalisme pour que l'un et l'autre se balancent. Je donne deux exemples. Un exemple au niveau de l'écologie, on est un peu, l'écologie, la biologie de la conservation, on est un petit peu tétanisé par les réponses de la biodiversité au changement climatique. C'est quelque chose, effectivement, les niches bioclimatiques bougent et on se retrouve avec des espèces, notamment différentes espèces qui sont dépendantes les unes des autres mais qui ne vont pas migrer à la même vitesse, une fragmentation des milieux, etc. Alors là, on a une réponse possible qui est la colonisation assistée. Ben, on va jardiner, on va d'abord modéliser quel climat où demain, et puis ben, on va mettre les bonnes espèces au bon endroit. Ça, si vous voulez, c'est un truc où vraiment c'est le présent, on pense le vivant comme il est aujourd'hui, donc on pense en termes de niche bioclimatique, on fait des patates, où est-ce que sont les êtres, comment va être le climat dans 50 ans, et puis on bouge les êtres pour qu'ils soient dans la bonne patate 50 ans plus tard. Et puis autre version, se dire, mais en fait le vivant, il bouge, il s'adapte, il change, il se reconfigure, et là ça ne veut pas dire du tout laisser faire, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on enlève les barrières, il faut qu'on défragmente, qu'on fasse des corridors, il faut qu'on assouplisse un petit peu, par exemple, les périmètres entre ce qui est protégé, pas protégé, peut-être protégé un petit peu davantage, etc. Donc c'est juste de façon. Au niveau social, pareil dans l'histoire, féminisme,
On en a parlé à plusieurs reprises. Il y a plusieurs combats sur la question, on va dire, sur la lutte contre le patriarcat, un combat qui est le combat mainstream du féminisme, en disant finalement, on est dans une société où il y a certains droits, certains intérêts des femmes qui ne sont pas respectés à l'égal de ceux des hommes, et on se bat pour le droit de vote, on se bat pour l'égalité salariale, il faut absolument faire ça, mais en même temps, et de façon à mon avis aussi très créative, et les deux mouvements se nourrissent l'un de l'autre, il y a un mouvement queer qui dit, vos genre, c'est pas les nôtres, votre façon de poser le problème, c'est pas les nôtres, l'accès au mariage, on s'en fout, et un mouvement queer qui va pas simplement, si vous voulez, se laisser capturer par les contraintes du présent pour penser les possibles futurs, mais vraiment réinventer complètement un rapport au genre, un rapport à la communauté, un rapport à la façon d'être en société qui n'est pas déjà encodé, que ce soit simplement en action ou en réaction, par les forces contraignantes. Je vous expliquerai pendant la période de questions pourquoi j'ai choisi cette photo pour illustrer la conclusion. Merci beaucoup.